Alors Mario, comment tu as trouvé cette 3 2012? T'as plu? Ouais, bon d'accord. Ouais, tu fais bien de te cacher, parce que franchement, c'était... on va dire naze. Pour rester poli. Allez, salut à toutes et à tous, c'est Alric, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Wakfu Live de Super Mario Star Road. Et comme vous le voyez, je me situe sur la plateforme que je n'arrivais pas à atteindre la dernière fois. Et je peux vous dire que j'ai galéré pour arriver ici, donc c'est pour ça que j'ai fait directement une sauvegarde rapide pour vous retrouver directement ici aujourd'hui. En récupérant bien entendu avant les 7 autres pièces rouges que vous voyez en bas à droite de l'écran. Et donc il me reste plus qu'à choper celle-ci, comme ça on commence la vidéo par une étoile. Ah oui, ça rigole plus. Alors du coup... Il y a toujours l'étoile juste au-dessus en fait, mais je vois pas du tout comment on fait pour la choper. Parce que je peux pas monter à part un joli bug avec Mario qui est en apesanteur. Et ben je sais pas comment on fait pour monter, bref. Attendez, je vais quand même vous montrer comment j'ai fait pour atteindre cette plateforme, parce que franchement, fallait tout simplement faire le triple saut, mais en même temps... sauter comme ça. Bon là je me suis planté, mais quand vous êtes au sommet de votre troisième saut, il faut que vous appuyez sur B pour vous jeter, attendez, voilà, comme ça sur la plateforme. C'est assez chaud, mais c'est pas non plus insurmontable, hein. J'ai dû réussir au bout de la sixième ou septième fois, mais à part ça, ça va. Oh, 50 pièces pile en plus, si ça c'est pas beau. Alors du coup... non, je vais pas rentrer là-dedans. J'ai essayé de prendre aussi les 100 pièces, mais du coup, je suis arrivé qu'à 50, comme vous l'avez vu là. Donc je pense pas qu'il y ait 100 pièces pour cette zone secrète. Alors je vais couper ici, on se retrouve dans le quatrième monde, juste à l'endroit où il y avait la zone avec la casquette verte, et je vais essayer de choper les pièces rouges cette fois sans me prendre les sables mouvants. Voilà, gagner un peu de temps. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti pour la course. Youhou! Ah merde. Ah. Ok, je me suis pris le plafond. Bon, la vie, on s'en fout. Alors, je sais pas pourquoi ils nous mettent un espèce de chemin. Ah, mais il y avait une pièce rouge là-haut. Ah, ils sont fourbes, là. Alors, attendez. On va essayer d'y aller calmement, sans se presser. Non! C'est pas le saut en longueur que je veux faire, abruti. Bon, normalement ça devrait aller parce que je suis revenu ici hier hors vidéo pour un peu voir où étaient disposées les pièces rouges. Normalement ça devrait le faire s'il n'y a pas trop de bugs. Mais franchement le truc du... enfin, là où j'étais tombé la dernière fois, là à droite. Ici, là-bas. Franchement j'ai pas compris quoi, j'y suis retourné et je suis pas tombé. Ça doit être dû à un bug encore. Alors, elle est où la pièce rouge, putain? Elle est super haut. Faut que je mette vraiment à l'extrémité, comme ça. Oh, oh putain, ça suffit pas. Hein. Allez, sors de là. Mais arrête de te cogner, putain. Oh là là, je sens que ça va être relou. Juste pour cette pièce rouge là, en plus. S'il saute là. Mais non! Oh, non! Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'eau pour essayer de reprendre sa vie. Bon, il y a les pièces rouges, mais... je sens qu'elle va me faire chier, celle-là. Hop, hop, voilà. Dégage-toi, est-ce que je peux te tuer? Ouais. Alors, attendez, je vais revenir quand même. Oh, tu cours ou... apparemment, il faut vraiment... non. Il faut vraiment passer sur le troisième pilier, et ensuite sauter, mais... putain, mais c'est haut quand même. Là, si je saute, elle va me tirer dessus. Tant pis, on tente. Mais ah, putain, il s'accroche sur le bord, ce couillon. Oh, c'est pas vrai, en plus, je peux pas les tuer, les boules qui lancent les flammes, là. Hein. Comment je vais pouvoir l'esquiver? Faut attendre qu'elle tire sa flamme de merde. Allez, tire. Non. Allez, on saute. Putain. Là,
vite. Putain, oh là là, c'est cata. J'ai la catastrophe. Attends, mais il faut quand même pas faire un triple saut. On va se mettre là. On regarde. Putain, en plus elle est décalée. Mais c'est super chiant. Alors. 1, 2. Ah, j'ai raté. Allez, putain, j'aime pas le sable, je vous dis, moi. Autant la neige, ça peut aller, contrairement à Black. Mais le sable, ça me saoule. 1, 2, 3. Yes. Ouh. Ça, c'était beau. Alors, la quatrième, la cinquième plutôt. Elle est là. Alors, on m'avait indiqué dans les commentaires de sauter directement dans la lave. Pour aller plus vite comme ça. Et effectivement, ça va plus vite. La septième. Et la huitième qui est assez fourbe. Parce qu'elle est tout simplement juste derrière, là. Et en essayant de la choper hier, je suis mort comme un con parce que j'arrivais pas à remonter. Une fois que j'étais tombé. Donc, vous savez quoi, je vais mettre la sauvegarde rapide ici au cas où. Hop. Si j'arrive pas à remonter au moins. Voilà, en plus il y a l'étoile qui apparaît. Je suis où là? Putain, la caméra, je vois rien. Non. Et voilà. Alors je reviens où, hors du monde, c'est pas la peine. Allez, hop, on charge. Ça va me faire chier là. Ça va me faire extrêmement chier. Moi je vais le faire. Là, dans tous les cas, il y a l'étoile qui va apparaître. Il y a cette caméra pourrie, je vois pas où je tombe. Donc... Ah, et voilà, j'étais remonté là. Putain. J'espère que je vais pas avoir leur faire 10 000 fois. Ah, je vois rien. Oh non, c'est abusé là, sérieux. Comment je peux faire? Déjà, on va activer ça. Hein. Voilà. La caméra qui arrête pas de bouger, c'est génial. Oh bah oui, du coup, je vais le sauvegarder, merci. Putain, mais pourquoi ils sont allés planquer la pièce rouge là? C'est abusé, sérieux. Parce que si je me mets comme ça, je peux pas revenir. Yes! Waouh, putain. Bon, on va activer le bloc vert, on va en profiter. Ah, mais je suis con! Ah, c'est quoi cette connerie? Je peux aller dans la lave, mais il se crame le cul quand même! D'accord, mais de toute façon, oui, de toute façon, il fallait utiliser la casquette métal, voilà, pour attraper la pièce rouge derrière. Mais je pensais que je pouvais quand même marcher sur la lave normalement. Putain, mais quel abruti! Ouais, s'il te plaît, monte dessus, là, tu vois. Non. Alors là... Non, mais là... Je suis pas d'accord, sérieux. Encore des espèces de bugs... Ah, il va me faire chier. Oui, je sauvegarde. Cette fois, on va pas faire un abruti. On va prendre ça. Hop, on saute. On saute derrière. Voilà. Là on s'en fout, on peut se cramer à loisir le cul. C'est génial. Alors attendez là. J'aimerais bien monter par derrière, mais si je vais derrière, il va y encore y avoir le bug. Alors peut-être par là. Tout simplement. Voilà. Ouh. Et ben j'aurais fini par la choper celle-là. Ah, c'est une étoile secrète, oui, forcément. Forcément, c'est pas une étoile de ce monde-ci. Donc bon, allez, on va poursuivre. On va essayer de choper celle qui est je sais pas où. Mais apparemment, elle doit être sous l'eau. Mais j'avais vu un truc qui m'intriguait dans la vidéo précédente, c'est là-bas. Vous voyez qu'il y a... Qu'il y a un trou. Donc on va aller voir ce qu'il y a au bout.
Je pense qu'on doit retomber là où il y avait la grille. Ça paraît évident. Oh mais... Ça c'est n'importe quoi. Oh, un petit poisson. Bonjour. On peut pas lui parler, je pense. Voilà, on revient sous la... Sous la grille. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, attendez, il y a un truc. On va essayer de sauter sur le mur. Voilà. Alors, oula. D'accord. Je peux pas le... Pour sauter l'autre, là. En l'ayant par dessous. Ah, il y a un truc là-bas. Ouais. Comment je vais monter, là? Je pense qu'il y a une étoile là-haut. Mais comment tu vas atteindre ce... Non, c'est pas assez. C'est pas la peine d'essayer. Le poisson, il sert à rien. Il est où le Poiscaï là? Il a disparu? Non, il est là. Mais putain, mais je l'ai vu pendant 2 secondes, il a encore disparu. Tu sers à quoi toi? Bon, il sert à rien apparemment. Bon. Alors attendez. Ah, mais on peut s'agripper là-dessous. Ah, oh, non, mais... Comment on s'agrippe d'ailleurs comme ça? Ouais. Ah, il faudra s'appuyer. Allez! Ah non, mais des fois, je vous jure, quoi. Oh putain, la caméra. Attends, on va mettre là-dessus. Quoique c'est pas mieux. Vous voyez, on suit l'ombre de Mario sur l'eau. Hein. Mais Mario, on le voit pas, donc on voit même plus son ombre. C'est tout à fait génial. Attendez, c'est pas possible. Peu importe comment je fous la caméra, on voit rien. Ah, comme ça. Non. Bon, regardez les magnifiques bugs. C'est super. Voilà. Je crois que c'est celle-là, je pense. Alors voyons voir le titre. Oui, c'était ça. Ok, bon, c'était pas non plus super long à récupérer. Alors, labyrinthe encore sous l'eau. Le problème, c'est que je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre sous l'eau. Tout qui nous parle d'un labyrinthe. Pas vu quoi que ce soit, à voir si c'est peut-être là-bas. Je vois pas ce qu'on peut faire ici. À part s'ils ont peut-être débloqué l'entrée. Ah oui, ils ont débloqué l'entrée. Mais ça doit être ça alors. Oula, oui, un labyrinthe. Est-ce qu'il y a plusieurs passages? Est-ce que je peux remonter au moins à la surface? Non. Ouais. Il va falloir se brouiller de... Se brouiller les fesses. Ah, des pièces. Hein? Comment ça, je suis bloqué? Comment ça, je suis bloqué? C'est quoi ce bordel? Mario, nage, ouais, si tu veux pas crever, merci. Je suis censé aller où, là? Ah, il y a un truc dessous, j'avais pas vu. Oh là 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 là. Non? Ah oui, d'accord. Oh, super, il y a l'étoile, là. Quelle chance. Je sais pas si c'était un labyrinthe supra compliqué. Mais bon, moi je l'ai eu rapidement, ça va. Et on enchaîne là, les étoiles. Alors il reste quoi? D'accord, dans le bâtiment. Ah oui, c'est celle qui était... C'est celle qu'on voit là-haut. Le problème c'est que je crois qu'il y a une fenêtre et qu'on la voit pas d'ici. C'est marrant parce qu'on voit l'étoile qui est à l'intérieur derrière la fenêtre. Et la fenêtre elle-même, on la voit pas. Non pas. Ouf, je l'ai esquivé. Hein. Ah oui, j'ai pas récupéré les 100 pièces aussi. Oh, ça va être relou. Bon, on va essayer de le faire quand même. On en aura terminé pour de bon avec ce niveau.
remonte. Hop, regardez, il y a plein de pièges partout. Ça devrait pouvoir se faire assez rapidement, je pense. Hop. Ah oui, en plus, il y a la carapace. On agit sur l'eau. Peut-être qu'en détruisant les araignées, on devrait pouvoir récupérer des pièces. Voilà. J'ai pensé à un truc vraiment très con cette semaine, je sais pas pourquoi. En fait, j'imaginais si on pouvait sauter comme Mario en fait dans la vraie vie. Et oui, je sais, c'est totalement con. Et je riais tout seul en pensant à des élèves dans une école primaire. Sauter comme Mario dans tous les sens à 3 mètres du sol. C'est très idiot. Oh, oh là. Ça c'était beau. Ah, il y a des pièces qui sont tombées, c'était pas grave. Alors ici il y a les trucs des pièces bleues, on va l'activer. C'est pour... voilà, c'est entre les piliers. Ah, j'en ai raté une. Non, non. Ah, je l'ai loupé, bon. Oh, ça va, j'en ai presque 50. Ah, il y a un truc là sous l'eau. Ah non, c'est juste l'entrée pour... Je me fais des illusions des fois, c'est... un peu n'importe nawak. Allez, sort de l'eau. Hop. Bon, cette vidéo, elle va être uploadée un peu plus tard ce soir. Par rapport à d'habitude. Bon, j'avais pas le choix. Trop marrant cette petite caisse là. Même s'il voit rien. Il a la tête encastrée dans la caisse. Ça c'est beau. Je peux la lancer comme ça. Très bien. Là, il y a quoi déjà? 3 pièces. Ouais, là, il y a encore des combats. En récupérant aussi les pièces rouges, ça devrait vraiment le faire. Voilà. Alors là-bas, dans la petite caisse, il doit y en avoir. Ah, il y en a même pas. Un radin. Bon, les caisses, ça sert à rien. Du coup, c'est bizarre parce que il y avait genre une espèce de compétition là qui il nous parlait d'une compétition. Hein. Ouais, il dit la même chose qu'avant. Et finalement, on n'a rien vu de tout ça. Je pensais qu'il y aurait une petite histoire, enfin, une histoire. Hein. Quelque chose d'intéressant quoi qu'il laisse passer, un événement particulier, je veux dire. Et puis non. Mais bon. C'est du Mario, ouais. Pas non plus. Hop. Alors, je sais qu'il y a encore 5 pièces sur le toit. Voilà. Bon, je me grouille un peu parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y avait derrière la porte avec les 20 étoiles. Même si je gruge un peu par rapport à la suite, hein, parce qu'on n'est peut-être pas censé y aller de suite. Chier quoi, j'ai envie d'y aller maintenant moi. Alors 82, on va passer de l'autre côté. Lui je l'ai tué. Je crois qu'il y en avait aussi sur le toit par là. Pas celui-là. Par ici, voilà. Et sur le toit. Peut-être. Déjà, il y avait un ennemi qu'on peut tuer pour récupérer quelques piécettes. Voilà. C'est toujours ça. Par contre, il faudra que je remonte plus tard pour... je crois que l'étoile est juste ici, en fait. Non ! Ah, mais ça tombe bien, je me suis complètement planté. Là. Ouais, je crois que je vais prendre les dernières, c'est celles qui sont sur l'eau. Youhou ! Ah merde. Hein ? Alors là, j'ai rien compris. Ah, mais il y avait plein de pièces ici. Ah. Fais le tour. Voilà.
ça nous en fait déjà 25 quand même. Enfin, quand même. Je dis ça, mais je sais pas vraiment si... À mon avis, je vais pas très vite non plus. Même, il est encore là, le poisson. Quoique, il y a des trucs bizarres, quoi. Regardez, si le poisson sort de la caméra, on dirait que des fois, il se téléporte à un autre endroit, quoi. C'est assez bizarre. Mais bon, c'est toujours marrant, les bugs. Passer en pleine non plus, s'ils étaient pas là. On pourrait pas rigoler. Ça, c'est vraiment bizarre. Moi, j'aurais bien aimé rentrer là-dedans, quoi. Ça aurait été plutôt bien. C'est d'avoir organisé une espèce de compétition avec les Shakya. On sait même pas ce que c'est au final. Bon, on va remonter. On va essayer de pas se casser la gueule en tombant. C'est de ce côté-ci. Alors on va y aller doucement. Hop. Vite fissuré. Voilà. Et oui, on se gave de vie. Voilà, alors je regarde juste si j'ai bien tout. Voilà. Parfait. Le total. Qu'on ressort. Je pense qu'il me reste plus énormément de temps. Donc on va vite aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Fameuse porte avec les 20 étoiles. Alors normalement, il faudrait sûrement aller ici pour avoir le monde suivant. D'ailleurs, je pourrais peut-être revenir dans le monde 2. Je crois qu'il y avait une étoile à récupérer avec justement la casquette. Enfin, avec les blocs verts, si je me trompe pas. On le fera dans la vidéo de dimanche, je pense. Alors. Que se passe-t-il? Hein? Ah, ça fait peur, ça. C'est quoi, ce truc? Ah non, c'est le socle du bonhomme de neige qu'il y avait dans le monde 4 de Mario. Enfin, c'est sa tronche, je crois. Hein. Il m'avait fait chier, lui. Ah, c'est un tuyau, bon. Apparemment, il faut sauter à l'intérieur. Hein. Les tuyaux, c'était pour ça. Qu'est-ce que je fous à me coincer dans le coin, là? Putain, je veux sortir de là! Ah, c'était beau, ça. Attendez, comment j'ai fait? J'étais à plat ventre et je suis arrivé à sauter. On s'en fout. Non, je voulais pas sortir. On va arrêter de faire n'importe quoi et de perdre du temps. Alors, est-ce que c'est un monde? Ah, apparemment c'est une zone particulière sans véritables étoiles. Là, c'est pas beau. Alors... On va terminer cette vidéo là-dessus. Avec une nouvelle musique. Et des nouveaux ennemis, on retrouve les araignées. Oh non, il y a de la lave par contre. Ah, c'est pas la même texture de lave. Mais je suppose que si je tombe, ben je me crame quand même les fesses. Hein. Ça va pas changer. Le fameux stop. Ah oui, d'accord. Ce sont des sables mouvants, en fait. Ok. attendez, je fais une petite coupure pour le décalage de la voix. Alors, voilà. Alors, en même temps, ça m'a permis de voir un peu combien de temps il m'en restait. Environ 6 ou 7 minutes. Donc, on va essayer de pas tomber. Enfin, de pas se faire toucher non plus. Je pensais que j'allais passer sous l'ennemi, mais... Ce n'est pas le cas. Alors. Là, hop. Oh putain. Oh, je le sens pas, ce truc. Oh, c'est quoi, ça? Il y a des chauves-souris en plus. Oh, heureusement qu'il s'agrippe. J'ai peur, là, j'ai peur. Dégage. Allez, venez vous battre. Bon, si elle se casse, moi je me casse aussi. Oh, quel abruti. C'est pas mon fort, ce genre de plateforme là. Pourtant, j'ai essayé de jouer un peu en vidéo pour m'entraîner, mais ce genre de truc,
J'ai jamais été très bon. Je sais pas, c'est peut-être mon joystick qui est trop sensible. Hop, j'ai du mal à jauger le... là où je vais sauter avec Mario. Hop. Alors là, peut-être qu'un double saut ça devrait mieux passer. Attendez, je vais attendre qu'elle vienne, elle. Encore, elle passe. Un, deux. Et non! Ouh. Je vais perdre toutes mes vies si ça continue. Bon, je me demande pourquoi ils ont foutu la tête du bonhomme de neige pour ce niveau, parce que ça ressemble à tout sauf à de la neige. Allez, on y retourne, viens. Viens prendre ta raclée. Hop. T'es où, toi? 1, 2, voilà, il faut que j'arrête de toucher mon joystick pour pas glisser. Il y a encore des trucs en bas par contre. Là si je continue de monter, je sais pas où je vais, je peux aussi descendre. Non, je vais continuer de monter encore. 1, 2, voilà. Ah, apparemment je suis arrivé tout en haut, donc on va continuer par là. Ouf, il y a des trous au milieu. Non! Ah! Mon dieu. Au secours, vite. Une plateforme. Oh non, pas la bûche. Putain. C'est la bûche qui tourne, là? Ouais. Ah, j'aime pas ça. Oh putain, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Par où je passe? Putain, la vie, quoi. Qui irait chercher la vie? Bon, je suis sûr qu'il y a... il y a au moins un fou qui a déjà essayé d'aller la choper. Hop. Et hop. Ouf, je crois qu'il allait se cogner contre le mur et retomber dans la lave... dans le sable mouvant derrière. Alors ici, je pense qu'il faut pas s'agripper, mais plutôt monter. Voilà. Calme-toi, je vais pas te faire de mal. Regarde-moi le. Yo Mario. Hop. 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 Non. Comment je monte là? Putain, c'est... Oh. Allez, saute. Comme ça. Voilà. Je vois pas autrement, hein. Peut-être avec le saut retourné. J'ai un peu de mal à le faire. Ce truc de merde. Oh. 1, 2. Non. Oui. C'est bon. C'est bon. Je ne crains plus rien. Je suis invincible. Faut aller où là? Je suis le chemin. Surtout ne pas tomber. Hop. Non! Abusé! Non mais sérieux quoi? L'ennemi qui me tire dessus en même temps, non mais... Pff, oh putain! Oh non mais ça je vous jure, ça me saoule. Putain, mais c'est pas vrai ça! Je m'en fous, ouais. Je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout de ce machin-là, hein. Même si j'essaie d'aller plus vite. Bon, j'arrive un peu mieux. Je me calme un peu. Sinon, je sens que je vais crever. Voilà. D'accord. Sur la gauche. Hop. Non, la vue. Voilà. Putain, j'aimerais bien mettre une sauvegarde rapide là, je vous le dis. Mais bon,
Je n'ai pas le droit. Alors lui, je sais pas comment il a été programmé, mais je crois qu'il y a un bug dans la matrice. Hein. Alors, refais le double saut. 1, 2, parfait. Hop. Ah, j'arrive mieux la deuxième fois quand même. Putain, attention à eux. Oh sérieux, ils sont relous. On passe. Voilà, c'est lui là-bas. Espèce de... kikineur. Allez, tire-moi dessus. Voilà. Laisse-moi passer. Oh non. Je m'en fous, je passe. Le tuyau. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh non, Bowser. Oh putain. Ah, je suis où là? Ça continue encore? Il y a des gros tuyaux partout. Bon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et oui, malheureusement. je vous retrouve dimanche pour la suite de ce niveau. Apparemment, peut-être qu'on battra Bowser. Oui, tout à fait. On battra peut-être Bowser. Mais bon. Je suis pas sûr, hein, on verra. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut à tous à la prochaine pour la suite. À dimanche et bon week-end à tous. Allez, salut.